pour le réconfort des membres de sa famille. Vous priez pour ses amis. Pour lui dire adieu. Voilà ce pourquoi nous sommes rassemblés. Et à la suite de ce rassemblement, c'est vrai, il y a un partage, mais ce n'est pas ce qui compte pour nous. Ça vient après. C'est pourquoi nous vous demandons de nous aider à prier. Ceux qui sont arrivés un peu plus tôt ont commencé à lever le coude. Veuillez nous excuser, patientez un tout petit moment, le temps juste de prier, et après, vous aurez le reste de la nuit. C'est pourquoi, très gentiment, la commission, oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu éternel. Amen. Maintenant, reçois-le dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pour soi-même. Et aucun d'entre vous ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur. Acclamera Dieu. Ainsi chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Acclamons la parole de Dieu. Il faut garder votre saveur. Vous êtes lumière du monde. Il faut garder votre splendeur. Pour mes amis, ne craignez pas, car je suis avec vous. Oh, si la grâce, si la grâce est bien, tombé en terre, refuse de mourir. La moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Ce n'est pas le cas si le train de paix est tombé en terre, refuse de mourir. Mon Dieu, la moisson, la moisson de l'espoir des hommes.
ne pourra jamais fleurir. Vous êtes le pas, car je suis avec vous. Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 12, du verset 35 au verset 44. Jésus disait à ses disciples: restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre lui dit alors: Seigneur, cette parabole s'adresse-t-elle à nous ou à tout le monde? Le Seigneur répond: quel est donc l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de ses domestiques pour leur donner en temps voulu leur part de blé? Heureux serviteur que son maître en arrivant trouvera à son travail. Vraiment, je vous le déclare, il lui confiera la charge de tous ses biens. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Un mot à l'ensemble de la communauté, à l'endroit de notre frère Cogne Bernard. Ils ont été informés, je les attends, qu'ils adressent un mot à nous qui les écoutons. Bonsoir. Tiens à vous remercier, à remercier toute la communauté camerounaise et en particulier vraiment les Balais. On ne doit pas revenir ici sur les circonstances de la mort du frère, mais on a vu comment toute la communauté camerounaise a été solidaire à l'égard de notre frère, parce qu'il est mort dans des conditions tellement brutales, bien chez soi. Je vous remercie. Merci. Comme des responsables de notre communauté. Et ce mot, si je peux me résumer, peut permettre de résumer ce que j'ai compris. C'est qu'il y a une forte solidarité qui nous anime. Et c'est cette solidarité qui a permis à faire ce que vous avez fait depuis
le décès du frère jusqu'à maintenant. Et pour cette solidarité, je vous encourage et je vous dis merci aussi. C'est ce que le Seigneur veut. En d'autres termes, cette solidarité peut se réduire en un mot aussi, en amour. On peut aussi parler de l'amour. C'est parce que vous vous aimez que vous avez pu faire ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Les conditions brutales. Voilà les circonstances dans lesquelles le Seigneur a volé. Le Seigneur nous a arraché Bernard. Quand c'est brutal, on n'a rien prévu. Et parce qu'on n'a rien prévu, on ne pouvait rien faire. Pour mieux comprendre aussi cela, c'est parce que nous sommes incapables de faire quelque chose. Parce que si nous étions capables de faire quelque chose, nous pouvions le faire. Et cette incapacité ne vient pas de nous. Parce qu'il y a des situations devant lesquelles nous ne pouvons rien faire. Même si nous pensons que nous étions capables ou que nous sommes capables, il y a des situations que nous ne pouvons pas faire quelque chose pour changer le cours des choses. Alors, si je reviens un peu sur les textes que nous venons d'entendre, avant d'y arriver, j'ai deux petites choses. Vous le savez bien. C'est souvent très difficile de prendre la parole devant toute une assemblée. Son temps, cette personne a fait son... Elle est partie se reposer. Si vous vous moquez de moi, c'est votre problème. Cette personne a fait son temps. Elle est partie se reposer. Et maintenant, dans la situation présente, Bernard fait quoi? À 38 ans, c'est l'âge des rêves. On pense se construire, chercher une mignonne, procréer. Je pense que c'est à 38 ans, c'est ce qui nous attend, n'est-ce pas? Il faut se construire. On rêve. On va faire le tour de la Belgique, de l'Europe, à 38 ans. Donc, devant une situation pareille, qu'est-ce que nous pouvons dire? Est-il allé se reposer? Non, c'est le plan du Seigneur. Quand je suis arrivé ici, j'ai lu ce petit mot. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Quel que soit ce que vous pouviez faire, le Seigneur l'avait attiré. Vous savez, partout il y a des imbruits. Des imbruits partout. Vous en aurez tout. Alors, devant des situations pareilles, nous disons, dans des rassemblements, on a toujours chacun une motivation pour la même. Soit peut-être la sympathie parce que vous avez aimé cette personne. Vous venez manifester vos condoléances à la famille. Dans ce cas-ci, peut-être, vous avez été un ami intime à ce garçon qui est parti vers la maison du père. Peut-être c'était votre opinion. Et dit, ah, comme c'est du menteur, est-ce que je mens? Et c'est le bien. Elle dit, ah, voilà. Bernard est parti. Il nous donne aussi l'occasion de rire. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté.
Il nous libère quand nous acceptons de faire communion, de faire communauté, de vivre en solidarité les uns avec les autres. Et voilà pourquoi nous disons que c'est toutes ces motivations qui nous rassemblent ici. Si c'est uniquement pour le lever de poule, cela ne sert absolument à rien. Tout ce qui peut nous aider, c'est cette prière que nous sommes en train d'offrir pour le repos de l'âme de notre frère, le réconfort des membres de sa famille et l'oubli. C'est pour chacun de nous. Et voilà l'importance de pas. Nous allons passer nécessairement par là. Chacun de nous va mourir. Cependant, je ne sais ni le jour ni l'heure. Et c'est ce qui est arrivé à Bernard. Si j'ai cru bien entendre, c'était subitement un arrêt cardiaque. Le gars ne s'attendait pas que d'une manière si violente, si brutale, il devait rencontrer son Seigneur. Et le texte nous disait, nous ne savons ni le jour, peut-être je suis en train de mentir, là. Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Est-ce qu'il faut de voler déjà arriver? Nous devons rester éveillés pour attendre. Un petit exemple que je nous donne, un monsieur avec une boucherie, avec des gros porcs, et nous veillait, et le veilleur a coupé avec la machette. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu voler l'animal, un appareil, pour donner la force et résister. Que le cœur de notre frère ne s'arrête pas. Nous devons rester prêts. Rester prêts ici, que cela veut dire et comment? Nous devons rester prêts sans avoir aucune dette. Et sans chercher là où ça va tomber. Faire du bien. Je ne vous dis pas en ma langue, dites en balin. Oui. Voilà, c'est comme ça. Le président va nous dire cela en langue. Voilà. Ça nous a bien compris maintenant. Voilà. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Notre frère Bernard, parmi vous, était un malfaiteur. Pourquoi vous êtes là? Même s'il y a des curieux, même s'il y a des personnes qui sont venues uniquement pour le manger et le boire, ils sont en train de boire, ils sont en train de manger en son honneur. Alors, frères et sœurs bien-aimés, voilà comment nous devons rester toujours prêts avec notre lampe allumée, sans perdre du carburant. Aujourd'hui encore, bien-aimés du Christ, c'est confier. Un exemple à Dieu. Le privilège pour les chrétiens, c'est de savoir que, à travers la mort, nous ne sommes pas morts. Et c'est pourquoi Paul, dans la première lecture, nous disait ceci. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même. Personne ne vit pour soi-même. Aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Bien-aimés du Christ, comment comprendre cela? Comment mourir ou vivre, appartenir au Seigneur? Tout cela nous fait comprendre que notre vie ne nous appartient pas. Nous l'avons reçu comme un cadeau. Nous l'avons reçu comme un don gratuit de Dieu. Parce que si cette vie nous appartenait, on pourrait tout faire pour le contenir à nous. On pourrait tout faire pour le garder, pour le sauvegarder.
qu'ils ne partent pas. Et si nous disons, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur, cela veut dire cette vie nous vient de Dieu et nous la vivons dans ce monde. Et dès que nous mourrons, ça rentre et ça continue, cette vie continue en Dieu. Et on peut même désirer mourir. Oui. Qui de vous ne peut pas vivre au paradis? Personne ne veut. C'est où le paradis? Aller au paradis. C'est où le paradis? Cependant, chacun, tous, nous allons mourir. C'est pourquoi la mort va faire partie de notre vie. La mort va faire partie de notre vie. Ne vivons pas comme si demain on va pas mourir. Vivons. Des occasions comme celle-ci, des célébrations comme celle-ci, nous donnent, nous l'avons dit tout à l'heure, de réfléchir sur notre propre condition, notre propre destin. Parce qu'il y a des gens parmi nous, ils vivent le jour au lendemain sans savoir. Ils se couchent le matin, ils se lèvent, le soir se couche. Ils ne réfléchissent. Bon, l'animal peut t'en faire. Vous prenez l'occasion que Bernard nous donne aujourd'hui de nous arrêter un instant. Où suis-je? Est-ce que, à 38 ans, comme il est parti, moi où je suis, est-ce que je suis assez vieux? Vous pouvez aussi partir à 38 ans, peut-être vous avez à 39 ans. Et si le Seigneur me donne l'âge qu'il m'a donné maintenant, qu'est-ce que j'ai d'été pour l'avoir? Est-ce que je ne peux pas me conduire un peu mieux? Alors on arrive, on réfléchit un peu, on change. Si on était le plus grand têtu, le plus grand coureur de pantalon, de roue, de jupons, de résolution. C'est ça. Alors, frères et sœurs bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour notre frère Cogne Bernard, dit Paolo, parti trop tôt, très loin des siens. Nous te prions afin que les péchés qu'il a pu connaître puissent être effacés par le sang de ton Fils qu'il a souffert sous la croix pour nous, Seigneur, de façon à ce que Paolo entre dans ta main avec l'âme, parce que ceux qui peuvent supporter la séparation et garder de bons moments de sa vie ensemble, nous te prions. En particulier la communauté Bénin qui a toujours montré son dynamisme et son soutien envers les membres de la communauté. Que tu puisses toujours leur donner la force de mener à bien les actions qu'ils mènent et qu'ils puissent continuer. Ainsi, Seigneur, nous te prions. Quelques mois participer à la veillée dans cette même salle. Nous prions pour que son âme puisse être libérée du purgatoire et qu'il puisse se reposer auprès de toi, Seigneur. Nous te prions. Seigneur, les biscons.
rien à craindre par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux et celles qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. La puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin de l'attitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi, qui fut cloué en croix. De son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance quand nous serons nourris de son corps et de son sang
et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Joseph, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi ce soir et ramène à toi, Père, pour tous nos frères et sœurs défunts, pour ton fils Bernard que tu as appelé auprès de toi, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien-aimé du Christ, dans la charité et en union de cœur avec notre Père qui est près du Père, nous l'avons confié à Dieu. Donnons-nous un signe de paix. Pour la vie éternelle. Eucharistie et dégagé de toutes ses fautes, ils connaissent les joies de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors maintenant, le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous n'allons pas permettre qu'on transporte là, le repas ici. Ensemble, nous allons prier comme ça, là, demander au Seigneur de répandre sa bénédiction sur la nourriture pour que nous mangeons, pour refaire nos forces et continuer son travail. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas,
que nous tenons de ta bonté. Bénis tous nos frères et sœurs qui ont mis le paquet pour préparer. Bénis les mamans qui étaient à la cuisine. Amen. Bien soit Jésus-Christ. Bon appétit à tous. Thank you.
Thank you.